La 18e édition du Nagetti Hotel et Golf Open, le deuxième tournoi français comptant pour le Challenge Tour, a débuté jeudi sous le soleil en présence d'un gros contingent de joueurs français. Et c'est même l'un d'entre eux qui occupe la place de leader après la première journée. Julien Guerrier, 29 ans dans quelques jours et 3 années de galère derrière lui en raison de douleurs récurrentes au dos. Des douleurs complètement oubliées ce jeudi. Un birdie au 8 pour prendre la tête, qui sera bientôt suivi d'un eagle au 9 pour assommer la concurrence. Il rend une carte de 65, 6 coups en dessous du par. Il faudra compter avec lui jusqu'à dimanche. Oui, c'est un beau sentiment. Après, on n'est qu'au premier tour. Le golf, déjà rien qu'un tour, enfin, si on était au dernier tour, c'est encore long. Donc bon, là, il en reste 3, c'est bien, je suis content. Après, bon, faut rester patient pour la suite. Bien sûr, rien n'est encore gagné pour le Français, même s'il compte 3 coups d'avance sur ses poursuivants, tous britanniques. Parmi eux, l'Écossais David Lowe, leader à mi-parcours et auteur d'un magnifique putt au trou numéro 13. Mais le coup de la journée revient incontestablement à un Anglais, Paul Maddy, mal embarqué sur le 17 après son premier coup. Sur ce par 3, il parvient finalement à signer un birdie de toute beauté. La preuve que tout peut arriver sur les greens fantastiques de Saint-Omer. Rendez-vous ce vendredi pour le second tour.